Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau tutoriel sur Ableton Live. Alors aujourd'hui un petit tutoriel qui s'adresse aux débutants. On va apprendre à faire des automations en vue arrangement. Donc dans Live on a la possibilité d'avoir deux types de vues, soit la vue session sur laquelle on va créer, composer, jouer en live ou toute autre chose, et une vue arrangement qui va nous permettre de poser notre morceau de manière temporelle, c'est-à-dire un début, un milieu, une fin, des parties. Alors, une automation, c'est quoi? C'est un réglage qui va nous permettre de modifier un paramètre d'un effet, d'un instrument, dans Live en fonction du temps. Exemple, sur ma piste lead, j'y ai posé un autofilter. Donc, hop, je vais supprimer mon automation. Donc, pour modifier une partie ou d'un paramètre, il suffit de cliquer dessus et automatiquement Live reconnaît qu'on va voir modifier et créer une automation. Hop, je vais créer mon automation. Donc là, on crée des points à la souris. Hop. Directement, ça on peut modifier à l'aide. C'est pas très joli. Hop. Voilà. Donc on va créer des points et pouvoir modifier nos valeurs, tout simplement. Alors, le petit plus là dans la vue arrangement par rapport à la vue session, c'est qu'on va pouvoir, entre guillemets, stocker cette automation et créer une sorte de liste d'automation qu'on va pouvoir ajouter, qu'on va pouvoir tout simplement cacher comme ça. Voilà. L'avantage, c'est que quand on fait notre mixage ou qu'on est en composition, qu'on a plusieurs automations à faire sur le même traitement, là, on va pouvoir tous les visualiser directement et les cacher pour éviter de nous gêner justement dans notre workflow. Alors l'automation, on peut tout simplement la désactiver en cliquant, en modifiant le paramètre tout simplement. Voilà, il devient grisé et pour la réactiver, il suffit hop, de cliquer sur la petite flèche là-haut. On peut la supprimer, clic droit, supprime automation. On peut aussi l'afficher dans une nouvelle ligne, etc. etc. Alors, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les automations, sachant qu'on peut en avoir une infinité, il n'y a pas de limite. On peut régler quasiment tous les paramètres de Live, tous ceux qui sont sélectionnables et contrôlables par MIDI peuvent être automatisés. Et ce sera à peu près tout ce tutoriel assez rapide sur les automations en vue session, en vue arrangement, pardon. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur ma chaîne. J'ai du mal aujourd'hui.